Bonjour à tous. Alors, pourquoi 2001 Odyssée de l'espace? Parce qu'il y a 50 ans maintenant, c'est le premier film qui nous a parlé d'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. Et ça tombe bien, on va utiliser un petit peu le cinéma. Mais juste avant, je vais vous expliquer, en tout cas essayer de vous détailler, ce qu'est l'intelligence artificielle. Mais avant de démarrer, il y a quelque chose que je me pose comme question. Est-ce que vous êtes allé, il y a un mois, au Salon de la Relation Client, Porte de Versailles? Vous y êtes allé? Est-ce que vous êtes revenu plus intelligent? Parce qu'on a parlé que de voicebot, de chatbot, d'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, vous avez acheté votre chatbot là-bas? Non? Parce que c'est incroyable, on a parlé que de ça. Mais c'est quoi en fait l'intelligence artificielle? Alors, pour information, quand j'en ai parlé à David, le chatbot, il croyait que c'était le conte du chat botté en version 2.0. Bon, mais c'est pas stupide, excuse-moi David, quand on y pense, parce que le conte du chat botté, si vous le reprenez, c'est l'histoire d'un chat qui fait le bonheur de son maître parce qu'il est malin et surtout parce qu'il arrive à s'adapter aux situations. Mais on s'est dit quand même que c'était bien de faire une petite mise à jour. Donc, c'est quoi l'intelligence artificielle? Derrière ce mot se cache le machine learning, la machine apprenante, et derrière, ce sont en fait des algorithmes dits de réseaux neuronaux. Et que savent faire ces algorithmes? Une seule chose. À partir d'un apprentissage initial, ils sont capables de repérer la présence d'un motif, d'un pattern, comme disent mes experts de l'intelligence artificielle. Je vais m'arrêter là sur la technique, parce que je vais vous perdre, et je préfère illustrer mon propos. Si vous montrez à cet algorithme des dizaines, des centaines, des milliers de photos, et qu'à chaque fois vous lui précisez si oui ou non, il y a un chat sur cette photo, et bien, suite à cet apprentissage, tout seul, si vous lui montrez une nouvelle photo, il sera capable de vous dire si oui ou non il y a un chat sur cette photo, aussi bien qu'un humain. Par contre, vous serez incapable de comprendre comment est-ce qu'il a fait. En effet, ce n'est pas une question de critères liés à la présence de moustaches ou d'oreilles. En fait, ce sont des paramètres calculés par l'algorithme durant l'apprentissage initial. L'intelligence artificielle, ça n'est que ça. Mais c'est déjà beaucoup. La performance en la matière est équivalente à celle d'un humain. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça intelligence. Et elle est 1000 fois plus simple que la reconnaissance usuelle qu'on a aujourd'hui et l'utilisation de l'analyse par mots-clés. Regardez, si vous tapez sur Google « je ne veux pas voir de cochons roses, mais des cochons noirs », vous allez voir, bingo, des cochons roses, et après, des cochons noirs et roses. L'intelligence artificielle, au travers des réseaux neuronaux, est-elle capable de comprendre la question et de donner la bonne réponse, à savoir des cochons noirs? Appliqué à la relation client, l'intelligence artificielle permet de comprendre ce que désire le client, son intention. Imaginons, prenons un exemple, un voicebot qui a la capacité d'échange entre un humain et une intelligence artificielle via la voix pour une compagnie aérienne. Si une cliente parle et dit « je veux aller voir ma sœur demain à Marseille », l'intelligence artificielle, pour le peu qu'elle ait été bien entraînée, est capable de comprendre ce que veut vraiment cette cliente, à savoir réserver un billet d'avion. Et elle peut lier cette intention avec un lieu, Marseille, et un moment, demain. Elle peut donc ouvrir un dialogue avec des questions fermées, côté hublot ou côté fenêtre, en business ou en économie, ou des questions ouvertes, quelle est la ville de départ. Et à la fin, de finaliser le processus et de réserver le billet d'avion. Mais vous l'avez compris, l'intelligence artificielle a besoin de l'homme. Elle n'est pas autonome. Elle est capable de comprendre ce que dit le client, mais elle a besoin de l'humain pour structurer les réponses et imaginer les dialogues. Par contre, la combinaison des deux est extrêmement efficace. Nos études montrent aujourd'hui qu'un bon chatbot et voicebot qui a été bien élevé, bien éduqué, il est capable de répondre à la demande pour une propension comprise entre 60 et 40% en fonction du contexte. Mais surtout, avec une interface qui est 1000 fois plus simple qu'un site web ou qu'une application mobile, puisque c'est via un dialogue qu'on utilise tous depuis notre plus jeune âge. Et d'ailleurs, pour vous prouver que l'intelligence artificielle a besoin de l'humain, je ne suis pas venu seul ce soir,
je suis venu avec Leïla. Leïla, vous pouvez l'applaudir. Est-ce que tu peux venir avec moi ? Leïla, son métier chez Prosody, c'est éleveuse de chatbots. Your Highness, there's nothing more we can do. L'éleveuse de chatbots. Elle est là pour l'élever, le nourrir, qu'il soit plus performant, plus efficace, pour répondre aux demandes de vos clients. Donc ce soir, vous pourrez dire que vous avez vu une éleveuse de chatbots. Et d'ailleurs, on va faire un test. Leïla, es-tu bien un humain ou es-tu un robot ? Non, je ne suis pas un robot. Super, très bonne nouvelle, j'en étais sûr de toute façon. Et d'ailleurs, Leïla est à votre disposition après le talk, durant le cocktail, pour échanger avec vous sur ce nouveau métier qui est éleveuse d'intelligence artificielle, éleveuse de chatbot, de voicebot, nouveau métier qui va exploser dans les années futures parce que l'intelligence artificielle a besoin de l'humain. Merci beaucoup, Leïla, je t'en prie. On peut l'applaudir, merci. Maintenant, où est-ce qu'on a vu les premières intelligences artificielles ? Bah, au cinéma. Vous êtes d'accord que les scénaristes d'Hollywood ont toujours vu les choses avant qu'elles arrivent, si on prend des séries comme 24 heures ou House of Cards. Donc on peut utiliser le cinéma pour comprendre ce qu'on peut faire aujourd'hui et jusqu'où on peut aller avec l'intelligence artificielle. Regardez, on va prendre un exemple. Aujourd'hui, le fait d'envoyer une requête et d'avoir une réponse adaptée, ça nous paraît facile. Mais il y a 30 ans, les Hollywood y avaient déjà pensé. Regardez cet extrait où une intelligence artificielle sollicité par un humain, fait la réponse qui lui semble la plus adaptée. Terminator. Hey buddy, you got a dead cat in there or what? Fuck you, asshole. Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir ? On vient de voir une intelligence artificielle, pas trop évoluée, répondre au stimuli d'un humain et lui donner la réponse qui lui semble la plus adaptée. Voilà, aujourd'hui, on sait faire, alors on essaiera de répondre différemment à vos clients, mais c'est les technologies qu'on maîtrise et qu'on sait faire aujourd'hui. On va aller un cran plus loin. Est-ce que cette intelligence artificielle, elle ne peut pas être empathique, elle ne peut pas détecter l'émotion, le stress ? Pour ceux qui étaient là l'année dernière, Fabienne nous a expliqué comment on transformait chez Prosody la voix en big data. Et ben, l'analyse de cette big data nous permet aujourd'hui de détecter le stress, l'émotion. Et ça peut donner ça. Star Wars. Your Highness, there's nothing more we can do tonight. The shield doors must be closed. Close the doors. Yes, sir. R2 says the chances of survival are 725 to 1. Actually, R2 has been known to make mistakes. Alors, qu'est-ce qu'on a vu là aussi ? Une intelligence un peu plus évoluée, qui fait une première réponse, ZISPO, réponse sur la capacité de survie, mais adapte sa réponse parce qu'il détecte le stress, l'émotion de la princesse Leia. Ça aussi, aujourd'hui, on sait faire, c'est des technologies qui sont maîtrisées. On va aller un cran encore plus loin. Est-ce qu'une intelligence artificielle est capable de faire des choix à notre place et de faire des choix qui sont dignes de celles d'un humain ? Regardez, 2001, Odyssée de l'espace, il y a 50 ans. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. Qu'est-ce qu'on a vu là? Une intelligence artificielle qui refuse l'ordre de l'humain parce qu'elle considère que ce n'est pas le bon ordre à donner. Mais si on regarde aujourd'hui, prenons l'exemple de la Google Car. Je pense que vous êtes au courant, il y a quelque temps, la Google Car a eu un accident. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait un choix, elle a décidé, elle a déboîté, elle s'est fait rentrer dedans par un bus. Ce qui est intéressant, c'est que dans tous ces prototypes, il y a des humains pour contrôler ce que fait la voiture, ce que fait l'intelligence artificielle. Eh bien, le rapport de cet humain sur cet accident est très clair.
Il aurait fait le même choix. Il aurait déboîté parce qu'il était sûr que le bus pouvait freiner. Donc aujourd'hui, oui, on est sur des niveaux où l'intelligence artificielle est capable de prendre des décisions qui sont très proches de celles d'un humain. Donc si on résume, cette intelligence artificielle est capable de répondre aux sollicitations et de donner la bonne réponse. Elle est capable de détecter l'émotion, elle est capable de faire des choix. Est-ce qu'elle ne serait pas capable de prédire l'avenir? Est-ce qu'elle ne serait pas prédictive? Et pourquoi pas de la justice prédictive? Regardez cet extrait de Judge Dredd. Central, were the bullets recovered from the bodies of Bardis and Lily Hammond so DNA coded? Yes, Judge Magruder, it could not be otherwise. And what was the result of the computer check of the DNA coding on those bullets? The DNA is a perfect match for Judge Joseph Dredd. Die! Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une intelligence artificielle qui aidait la justice pour mettre Sylvester Stallone en prison. Mais hormis ça, je ne sais pas si vous savez, il y a maintenant 3 semaines, les tribunaux de Rennes et de Douai ont décidé de lancer la première expérimentation de justice prédictive. Une dizaine de magistrats se sont portés volontaires pour tester cette plateforme. Alors bien sûr, on ne parle que du civil, pas du pénal dans un premier temps. Mais en tout cas, l'objectif de cette plateforme est de pouvoir anticiper les résultats d'un jugement grâce à un algorithme qui scanne l'ensemble des jurisprudences. Donc ça y est, on va commencer à y aller. On va être dans la prédictivité et aussi dans la relation client. Et puis, enfin, on va parler du futur. On va finir là-dessus. Est-ce que dans le futur, est-ce que la grande question qu'il ne faut pas qu'on se pose, c'est est-ce qu'on ne va pas s'attacher à cet algorithme? Est-ce qu'on ne va pas en devenir dépendant? Parce que c'est clair, une intelligence artificielle qui nous connaît parfaitement, qui nous a compris, qui répond à nos moindres désirs, à nos moindres services, mais à la fin, on risque de s'attacher, on risque d'être accro à cette intelligence, à notre nouveau mythique. Regardez, extrait de Her. Are you talking to anyone else right now? Any other people or OSs or anything? Yeah. How many others? 8,316. Are you in love with anyone else? I've been trying to figure out how to talk to you about this. How many others? What? On le voit, lui, il est vraiment devenu accro de son intelligence artificielle. Mais pareil, est-ce que vous connaissez le site H.C. Madison? Quoi, non, d'ailleurs, je ne veux pas savoir parce que c'est un site de rencontres adultériennes. Donc, j'ai pas vu les mains qui se sont levées. Mais je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un an, le site il s'est fait hacker. Et tous les comptes ont été propulsés sur Internet en public. Les experts ont regardé ces comptes. Et ils se sont rendus compte que le site avait été créé des intelligences artificielles, des bots, qui étaient là pour créer des dialogues et des échanges avec des humains, pour donner l'illusion d'un champ immense avec beaucoup de femmes. Vous savez combien il y avait de bots, de comptes bots, de comptes d'intelligence artificielle qui avaient été créés? 70 000. 70 000 Scarlett Johansson qui parlaient et qui étaient là pour échanger, pour créer l'illusion du champ des possibles. Donc voilà, ce qu'on peut voir aujourd'hui en tous les cas à travers ces extraits, ce qu'il y a de sûr, c'est que l'intelligence artificielle, c'est pas du cinéma. Merci beaucoup.